Salut à tous, petit actu sur l'autojournal.fr. Donc concernant le SUV Ford Mustang, 80% de commandes avec la grosse batterie. Outre-Atlantique, 4 clients sur 5 ont choisi le nouveau SUV électrique Mustang avec une batterie de 99 kWh. Aux États-Unis, le carnet de commandes est plein pour la série de lancement First Edition du nouveau SUV électrique Mustang Mach-E. L'Oval Bleu précise que les versions Premium et GT restent disponibles à la réservation et en profite au passage pour faire un point sur les choix de ses clients américains. Ces derniers ont ainsi été 80%, il manque un mot, à avoir réservé le plus gros pack de batterie 99 kWh. Ça, c'est pas étonnant, honnêtement. Ce n'est pas une surprise puisque le Mustang Mach-E First Edition est exclusivement proposé avec ce choix. Par ailleurs, Ford annonce que 55% des clients ont préféré opter pour la transmission intégrale AWD. Donc, on apprend également que 30% des futurs propriétaires ont choisi l'option sportive avec le Mustang Mach-E GT de 465 chevaux. Concernant les choix de teinte de carrosserie, avec le gris foncé Carbonian Grey arrive en tête avec 38% des suffrages, devant le bleu intense Grabber Blue métallique 35% et le rouge 27%. Sans surprise, plus d'un quart des réservations viennent de l'État de Californie. Bah oui, la Californie, c'est un peu le paradis du véhicule électrique aux États-Unis, avec des aides partout, des bornes partout, des Tesla partout, des gens riches aussi en Californie, hein, on va pas se mentir, la plupart des stars sont là-bas, des stars qui vivent aux États-Unis en tout cas. Donc voilà. Bah écoutez, ce Mustang Mach-E a l'air de bien plaire aux Américains en tout cas. C'est vrai que c'est une belle voiture, hein, donc le gris en tête des commandes, devant le bleu et le rouge. Pas mal, pas mal. Bah écoutez, hein, on verra bien hein, si en France il a un succès aussi élevé qu'aux États-Unis. En tout cas, je pense qu'il peut aussi bien marcher en France. Son prix est un peu élevé, mais par rapport à la concurrence, c'est pas trop mal placé. Donc plutôt pas mal ce Ford Mustang Mach-E. À suivre, je vous laisse réagir. Ciao.